C'est un animal qui a des méthodes de défense, de protection, qui sont de se percher sur des parois escarpées et de se mettre à loin de ses prédateurs naturels, qui sont les grands prédateurs. C'est très facile de chasser un bouquetin, c'est pas comme un isard qui prend la méthode de défense, qui prend la fuite. Le bouquetin se met sur une paroi escarpée et ensuite bouge peu. Et donc il a été très chassé. Maintenant, du coup, va commencer la phase de suivi de la population. Donc chaque bouquetin est équipé d'un collier GPS. Et donc tout l'enjeu maintenant, c'est de suivre leur déplacement. Et d'aller aussi contrôler leur état sanitaire et d'éventuelles naissances au mois de mai.